José Bachanal, je vous ici qui habite en Le risque principal, c'est de voir à nouveau les populations d'abeilles chuter et de voir le nombre de ruches en France s'effondrer. On a besoin des abeilles pour polliniser les cultures qui nous alimentent. Donc c'est extrêmement grave d'avoir réautorisé ces produits. Là, il y avait une opportunité extraordinaire de faire un virage vers l'agrobiologie. Sortir des accords de libre-échange, mais surtout pas en faire de nouveau. Imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que concrètement, ils n'ont rien à faire. L'abeille en particulier dans le monde agricole qui participe également à la pollution. Elle est finalement, cette question des néonicotides, un emblème, mais elle révèle aussi l'ultra-dépendance de la chimie pour l'agriculture. Et ça, c'est pas durable. En tout cas, nos concitoyens ont d'autres aspirations. Le marché bio en plein essor, les considérations de santé, les considérations des écosystèmes sont aujourd'hui centrales dans notre société. La question de la place du sucre dans notre alimentation.